Eh bien salut tout le monde, c'est Philito. On se retrouve aujourd'hui pour ce second épisode ou vidéo bonus, hein, appelez-le comme vous voulez, de la zone de combat donc sur Pokémon version Emerald. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois, l'épisode 1 était sorti il y a juste un mois je crois. Ça dépend quand je sors cette vidéo. Alors je sors cette vidéo soit le 3 ou le 4. Donc ouais, bon, à peu près à moi. Et donc, eh bien, il y a un mois, nous avons fait l'usine de combat. Donc, dans la première vidéo bonus. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer. Donc, encore une autre épreuve de la zone de combat. Donc, ceux qui ont regardé la première vidéo, vous savez que juste à la fin du let's play sur Pokémon Emerald, eh bien, je vous avais dit que voilà, j'allais faire toute la zone de combat. En vidéo bonus, et donc eh bien ça y est, là on est parti, on a fait l'usine de combat. On avait fait aussi le reptile de combat, mais ça c'était dans la vidéo spéciale un an, mais je le compte quand même parce que j'ai quand même obtenu le machin quoi, donc je sais plus comment ça s'appelle, le symbole. Donc ça c'est lequel, l'usine, d'accord. Et là le reptile, d'accord, voilà. Donc on en a déjà 2 sur 7. Au final du coup il y aura 6 vidéos bonus plus la 7ème qui est dans la vidéo spéciale un an. Et donc voilà, là c'est parti. Je pense que je vais faire ça peut-être une tous les mois, vu que ouais un rythme de une par mois c'est correct. Après ça dépend, peut-être si j'ai l'occasion d'en faire une je sais pas, dans 3 semaines par exemple, ça serait bien. C'est là que j'avais pas vraiment le temps en fait de tourner, et du coup en fait je me suis dit tiens, j'ai envie de faire la zone de combat, et ah bah mince, ça fait juste un mois tout pile. Sans le vouloir, bah c'est plutôt pas mal. De toute façon, il y a que 6 épreuves à faire. Enfin, 7. Donc, ça va aller assez vite. Du coup, nous, on va faire aujourd'hui, eh bien, le dôme de combat. Par contre, je ne sais plus où c'est. Est-ce que c'est... Ah, je crois que c'est ça. Attendez. Dôme de combat. La voie toute tracée vers la célébrité. D'accord. Au passage, j'ai pas lancé mon chrono, alors je sais même pas combien de temps la vidéo fera. C'est pas grave, c'est une vidéo bonus, ça peut durer autant de temps que je veux. Du coup, le dôme de combat, alors, comment ça fonctionne? Je crois que c'est 5 tournois. Enfin, pour arriver jusqu'au champion, il faut faire 5 tournois et les gagner, hein. Donc, 5 tournois consécutifs. Et en fait, je crois qu'il faut avoir 3 Pokémon et on peut... en 3 Pokémon et en combat, on est en 8ème de finale, puis après en les quarts, les demi et la finale. Je crois que c'est ça. De toute façon, hein, je pense qu'elle va nous redire les règles. Alors ici, nous mettons à l'épreuve la tactique des dresseurs. Je sais votre guide, un tournoi solo. Ouais. On va quand même lire l'information. Combat solo, tu es la seule qui participe à un Pokémon. Voilà. L'un des 3 Pokémon est gardé en réserve. Ok, donc pendant les combats, on peut n'utiliser que 2 Pokémon. D'accord. Les deux autres Pokémon peuvent se battre l'un après l'autre. Étudiez les 3 Pokémon de l'adversaire avant de choisir les 2 Pokémon que vous envoyez au combat. D'accord. Ça, on sait. On sait. Ouais, alors juste par contre. Je vais juste voir un peu mes Pokémon parce que... j'ai quoi? Je peux envoyer ça, hein. Brazegali, Metalos et Dratak. Ça me semble bien. Oui, donc... on doit retaper la petite discussion. Réveil défi. Niveau 50 ou niveau libre? On va mettre niveau libre. On va inscrire... oui. Voilà, Brazegali, Metalos et Dratak. Confirmé. Alors, avant de pouvoir me suivre, vous voulez sauvegarder. Oui, donc par contre, je ferai comme la dernière fois que j'avais fait, c'est-à-dire que je ferai l'épreuve une fois, donc je ferai un tournoi avec vous. Et ensuite, je vais faire les 4 derniers tournois de mon côté, jusqu'à ce que j'arrive au champion, et ensuite, je filmerai ça. Donc je ferai une grosse ellipse entre deux. Alors, d'accord.
Et votre combat du premier tour va avoir lieu. Tableau. Premier tour en cours. Ah, c'est pas sympa la petite musique. Alors Filito, moi je suis là. Ok. Ah, on peut en voir son équipe comme ça. Équipe à potentiel moyen. Alors il a un Watt, un Liputi, un L'énergie. Liputi c'est type quoi ça? Glace ou normal? Je crois qu'il est glace. L'énergie électrique et Watt électrique. D'accord. D'accord. Et l'adversaire, oui, donc ouais, ça on a vu. Donc du coup on va combattre. On va pas prendre d'attaque. On va prendre plutôt Brazegali et Metalos. Alors, notre nouvel espoir. Filito se trouve dans le dôme de combat. Hey, hey, premier tour. Filito affronte Tino. Que le combat commence. La musique, c'est ma vie. Ah bon, si tu veux. Ça pourrait faire un beau titre de chanson, ça. La musique, c'est ma vie. Alors, what? Que va-t-on faire? Stratopercute. Ah, ça va être du coton quand même. Va falloir essayer de gérer. En fait, là, ça va aller. C'est plus de moi de mon côté. Je vais devoir faire gagner 4 combats à la suite. Quoi. Ça va être un peu chiant. Je ne vous cache pas. Alors, l'énergie. Stratopercute. Pour l'instant ça va, mais je pense que ça va se compliquer jusqu'à la finale quoi. Et je pense que au fur et à mesure des tournois ça va se compliquer, c'est-à-dire que le deuxième tournoi il risque d'être un peu plus chaud. Alors le cinquième il risque d'être beaucoup plus compliqué. En tout cas là je pense que je vais rester toujours avec la même équipe. Parce que je sais pas si ça changerait quelque chose. Ça annulerait mes trucs, je sais pas, donc je préfère garder la même équipe. Donc bon. J'ai vraiment un fléau. Ouais. Donc on a gagné le premier combat. En fait ça va aller assez vite. Enfin ça dépend. Missionnez vos Pokémon. Merci. C'est terminé. Voici les concurrents qui sont qualifiés. Oh Bilal. C'est qualifié. Simpson, Joanna. Ouais. Bon, on s'en tape de leur nom. Adversaire. Alors Yanma. Ok, Nangal. Ouais. Ça va là en fait. Ça va son équipe. Enregistrer. Non, on va pas enregistrer maintenant. Combattre. Donc on va envoyer Brazegali. De 1 parce qu'il y a des insectes, donc ça peut être pratique. Et peut-être peut-être Dratak. Allez. On est fou. Étoile montante. Pardon. Il me donne des surnoms super classe. Allez, envoie tes insectes, je vais les cramer. Roche eau. Stratopercus, ça devrait lui faire mal. Je pense. Je ne sais plus. Ouais, ça lui fait du foin. Ouais, ça lui fait plutôt mal. Ok, one shot, ça lui fait mal. Il va envoyer quoi? Ah, du coup, ouais, tous ces Pokémon, ils ont le niveau le plus fort. Ils ont le même niveau que mon niveau le plus fort, c'est-à-dire Brazegali 79. Ouais, bon, alors là, dans Slam, typiquement, on devrait bien le faire mal. Alors pour l'instant, c'est assez simple. Je sens que je vais avoir très très mal au prochain. Vainqueur est Filito. Merci. Soigne mes Pokémon, c'est très bien. Tu es une gentille petite madame. Ok, donc là on est au quart de finale. Attendez. Non, c'est le demi-finale. On est déjà au demi-finale.
Ça va relativement vite, votre combat de demi-finale va avoir lieu. Pour nous commencer. Oui, non, non. Ah oui, bah si. J'ai pas vu. Volcaropod, ok, donc un type... feu... rat attaque, bon ça on s'en fout, type normal. Et cochignon, c'est un type glace. Typiquement, on va pas envoyer d'attaque. On va éviter d'envoyer d'attaque, donc on va envoyer Brass et Gali. Et on va envoyer Metalos. Ouais, donc par contre, elle a assez... Ouais, ça dépend. Si on arrive à... Je sais pas, par exemple, si on arrive à battre... arrive à battre Volcaropod avec Brass et Gali, ça peut le faire. Ça serait bien que je perde pas au premier tournoi, quoi. Ah, du coup, ça va assez vite, là. J'en ferai peut-être un deuxième avec vous. Ok, Ratatak. C'est bien. Strato percute, ça va lui faire mal. Ah, il me semble. Combat sur... sur normal, ouais, c'est, voilà, c'est super efficace. Voilà, adieu. C'était sympa. Et cochignon. Ouh, bah là, cochignon, bon allez, surchauffe. Il peut nous faire mal aussi parce qu'on est type combat, mais... Ah, je crois que glace sur combat, c'est super efficace. Alors, désolé si j'oublie un peu ma table des types, mais je me rappelle plus. C'est comme ça. Je fais beaucoup de Pokémon, mais je connais pas ma table des types. Tout va bien. Je suis terriblement en colère. Ah bon. Bon, bah du coup, on est à la finale. Merci pour votre participation. Je vais soigner vos Pokémon. Bah vas-y, soigne mes Pokémon. Je t'en prie. Donc j'ai affronté qui? Chloé. Alors, fais voir tes Pokémon, Chloé. Ah, un type O, ça je m'en doutais un peu. Cacturne et Ténèbres. Pour Ténèbres. Mangriffe, il est type normal. Allez, on est fou, on va lancer Brass et Gali en premier. Et on va mettre Dratak. Ouais, allez hop, c'est parti. Oui, bon, je dis plus ce qu'ils disent, hein, de toute façon, c'est pas super intéressant. Viens, on va se battre. Bah ouais, on est un petit peu obligé de se battre, hein, grand-mère. Alors, Cacturne, c'est bien. C'est très bien, pour l'instant, là, je tombe bien, là. Ultime un point, ça rate. Moi je fais strato percute, c'est un type ténèbre alors. Bah ça va être. Assez rapide. Voilà. On n'en parle plus. Et Tarpo, là ça va être un peu moins cool. Mais peut-être un petit coup de strato percute, ça devrait quand même bien calmer. Et au pire, j'ai Ratatak par derrière. Après, s'il connaît laser glace, là c'est un peu moins cool. Mantardise. Oh, rate ton attaque, vas-y, c'est bien. Je suis chanceux pour l'instant. Bon. Je suis confus, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, car je vais faire tranche. Allez, par pitié, Brass et Gali. Tu te blesses dans ta confusion. T'as pas honte? Oula, oui, t'as. Ah, mais non, mais là c'est pas cool ça. Si on joue à ce jeu là, c'est pas cool parce que là il va me tuer mon Brass et Gali. Ah. Ok. Sois pas confus, par pitché, ne sois pas du tout confus. Ah, bah c'est bien. Eh ben, j'ai chaud. Là, normalement, ça devrait le tuer. Voilà. Quel est ton secret? Eh bien, j'en ai pas. En fait, je m'entraîne et je fais un peu n'importe quoi et ça a l'air de fonctionner. T'es le champion du tournoi niveau libre, voilà. Eh ben voilà, on a gagné le premier tournoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas combien on a combien de minutes, on doit être à peu près à 15-16 minutes. On peut en faire un petit deuxième avant de vous faire une petite ellipse et jusqu'à ce que je trouve que je rencontre le champion. Donc on va en faire un petit deuxième de suite. Maintenant commencer. Ouais, youhou. Ah, par contre, voulez-vous enregistrer votre dernier combat? Non. Ah, par contre, je suis comme ça, mais moi, pour faire ces épreuves-là, vu que c'est consécutif, donc faut gagner à la suite pour rencontrer le truc. J'ai pas envie de faire 40 000 combats, ça va être très très long. Je fais des sauvegardes émulateur, vu que je suis avec l'émulateur, et bien je fais des sauvegardes. Je triche, je suis, voilà, mais je triche sans vraiment tricher, quoi. Du coup, je vais sauvegarder où, moi? J'ai plein de sauvegardes en fait. Allez hop, je sauvegarde cette sauvegarde là. Ouais, attendez. Ouais, non, si, ouais, c'est bon. Du coup, on va refaire un deuxième. Voulez-vous participer à un tournoi? Bah oui. Enfin, oui. Qu'est-ce que je viens faire là? Il n'y a pas commandé. Des frites. Oui, alors je sais pas pourquoi je sors des frites. Hop, inscrire, toujours la même équipe. Pour l'instant, c'est ça allait. Là, normalement, ça devrait un petit peu plus se corser. On verra si ma théorie se confirme. Mais ça devrait effectivement être un petit peu plus compliqué. Bon, la musique commence un petit peu à me saouler en fait. Sympa, mais bon. Donc, oui, vas-y, parle-moi de mon adversaire. D'accord? D'accord? Bon, Ninja Skellumi Vol, s'ils ont une attaque de type vol, pourrait me faire mal, mais bon, normalement, un coup de surchauffe, c'est bon, ils sont morts. Et au pire, j'ai un Metalos sur une attaque. Inscrit, on va mettre. Attaque. Pour l'instant, bah oui, je mets Bras Égalier en premier, les autres on les voit pas, mais c'est parce que, bah. Ah, pour l'instant, j'ai pas besoin, quoi. Et là, par rapport à ce qu'il y a en face, bah, vaut mieux mettre Bras Égalier en premier. Après, si on fait tout avec Bras Égalier, c'est que les mecs, soit ils sont vraiment nuls, soit mon Bras Égalier est très, 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 très fort. Ou alors, j'ai vraiment de la chance. Donc toi, je vais direct, surchauffe. En fait, le mi-vol, ça peut pas avoir une attaque vol. Je sais pas en fait. Dans le doute. Ninjask possible, peut-être. Je sais pas en fait. Ah bon. Voilà, Ninjask, ça je m'en doutais. Lance-flamme. Ballon-ombre. Ah. Pas bête. Mais lance-flamme, ça va quand même le faire très, très bobo. Oui, on augmente ta vitesse, ça je sais. Mais t'es mort en fait. Et voilà, coup critique en plus. Alors, on a gagné, et ensuite, deuxième combat, on tue mes Pokémon, c'est gentil ma petite dame. Fais-moi voir mon adversaire. Emilia, d'accord. Je veux voir. Ah, Ametang. Togetic, c'est un type vol. Ah, attendez, c'était quoi le premier? C'était Mangrave. On va quand même mettre Bras Égalier en premier, je suis un petit peu foudingue. Mais on va mettre Attaque en deuxième. On va laisser comme ça. Là, je pense que ça va être un peu moins facile. Mangrave, ça va, je peux le faire avec Stratopercute.
Par contre, le Togetic, non, c'est un type vol, donc un petit aéro piqué ou quoi, je suis un peu dans la merde. Metang. Là, par contre, ça va. Parce que Metang, un coup de surchauffe, ça devrait lui faire mal. Par contre, c'est qui tout double, quoi, parce qu'il me sort un psycho, je suis dans la merde aussi. On va justement lancer surchauffe dès le début. Pendant à la con. Pas une attaque psy, choc mental. Résiste, choc mental, c'est pas non plus ultra puissant, tu peux résister, tu peux le faire, oui, c'est très bien. Un petit lance-flamme. Voilà. Mais de quoi il tient bon? Oh oh. Mais c'est quoi ce bandeau de cheaté? Bah-le, tranche. Voilà. Ah bordel. Bandeau à la con. Mangriffe. Ouais. Bon là ça va. Ah. J'aurais plus rapide que moi. Ouais. Tout va bien. Bon. On a eu de la chance. Ah vraiment eu de la chance là. Ah ah, c'était distrayant. Et ouais. Le vainqueur est moi. Cool. Moi, gagné. Vas-y, soigne mes Pokémon. Merci. Donc. Demi-finale. Je vais voir mon adversaire. Gros doudou. Posipi Spectrum. Ouais, ça va. Donc là, on va... Toi et toi. Hop. On dirait que ta sœur est née pour combattre. Et ouais, c'est moi. Vas-y, viens la pignouf. Genre, je suis un pignouf. Ben, tu vas voir ce que va te faire le pignouf. Spectrum. Bon, il est stylé déjà. Mais voilà, surchauffe. Voilà, adieu. Et gros doudou. Gros doudou, t'es normal, toi, je crois. Ça te percute. On verra. Normal. Ouais. Genre tu résistes. Je crois que t'as masse de PV aussi toi. Crocolarme, ça fait quoi? Ah. D'accord. Une baie citrus. Ouais mais la baie citrus ça va pas t'aider beaucoup. Un coup de tranche et t'es mort. Voilà. C'était nul ce que t'as fait. Bon, voyons le dernier combat, comment il va être. Mais bon, là, on voit que ça se corse un petit peu plus que le premier tournoi, donc les trois autres vont être un petit peu plus durs, je sens. Et combat de... Donc, on va affronter Dave. Vas-y, Dave. Fais-moi voir ce que t'as. Ah. De type vol, ouais. Du coup, on va combattre. En premier, on va mettre Dratak et Brazegay. Peut-être j'aurais dû mettre Metalos, mais je préfère mettre Brazegay. Le combat commence. Je pense que Dratak, il peut faire assez mal. J'espère. Vigoroth. Ah, on aurait pu mettre Brazegay en premier, il aurait fait très très bobo, mais là je pense que Dratak va lui faire assez mal. Dratak qui est toujours stylé. Hein.
Allez, Dracogriffe. Ouais, ça lui fait un peu mal quand même. Hein. Ça nous fait aussi mal, ça. Bim, appui grotte. Alors, Togetic. Ouais, Togetic. Allez. Machouli. Coup critique. Ouais, c'est pas non plus exceptionnel. Vœu, ça fait quoi, vœu? Il va se soigner. Je sens que c'est un truc qui va se déclencher dans deux tours, hein, je t'en jure. Et voilà, ça le soigne. J'espère pas complet. Hein. Ouais, une bonne partie quand même. Bon allez, Dracogriffe. Il ne fait pas non plus super bobo. Allez. S'il pourrait l'avoir, un coup critique, ça serait... Mais espèce de nul. Espèce de gros nul. Non mais... Ok, le truc il est incroyable quoi. Plus il nous fait quand même des dégâts à force, il a pas de se soigner, c'est chiant ça, les Pokémon comme ça. Aéropique. Allez. Machouille. Par ici, je sais même pas ce que ça fait, mais par ici. Allez hop, t'es mort. Eh ben, Togetic à la con. J'adore les jeux vidéo. Moi aussi. Et donc on a gagné le deuxième tournoi. Ah ah. Donc c'est plutôt cool. Du coup. Eh bien du coup je vais faire une ellipse. Je vais faire les trois tournois restants. Et donc jusqu'à ce que je tombe sur... sur le champion, voilà, donc ben, je vous dis à tout de suite. Re les gens, donc on se retrouve. J'ai fait les tournois, j'en ai fait 3 à la suite, donc ben 2, et là je suis en train de faire le 3ème. Et donc je suis arrivé en finale, et donc vous voyez à l'écran, hein, le combat final contre Takim va avoir lieu. Donc j'ai relancé le record en fait. Un petit peu trop tard, enfin elle disait une phrase, elle disait voilà, pour la finale, enfin la finale va arriver, et pour la finale bah, vous allez affronter la star du dôme, et en fait j'ai lancé le record juste après. Bon c'est pas grave, c'était juste une petite phrase, hein, donc c'est pas trop grave. Donc combat final contre Takim, donc le champion du dôme. On va regarder un petit peu ses Pokémon. La Grogne, Dratak, Dracaufeu. C'est assez... ça va être assez chaud. Je vous le cache pas. J'ai pas de Pokémon qui peuvent contrer ça. On va essayer, hein, mais... Là, ça va être un petit peu chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais mettre Métalance en premier et Dratak, je pense. En espérant que ça va. Allez, on va tester, on verra bien. Admirez le maître, Filito se trouve dans le dôme de combat. Coucou. Et maintenant le dresseur qui vient stopper Filito dans son élan. Le seul et l'unique, le maître du dôme de combat. J'ai nommé notre star du dôme. Faites place à Takim. Coucou. Qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur est un petit peu foufou. Bon, tu peux revenir ici s'il te plaît. Ah ah ah, tu entends ça? Le public est déchaîné, ils veulent voir notre combat. Moi, ah ah. Je parie que tu trembles de peur. Eh bien, tu as raison. Le combat sera difficile, je suis la star du dôme de combat. Moi, Takim, la star du dôme, je vais t'en mettre plein les yeux. On va voir si tu sais faire preuve de tactique. On verra surtout si j'ai de la chance. Ça va être vraiment chaud. Ah là, je vous cache pas que ça va être vraiment trop chaud. La Grogne. Je sens qu'il va être chaud la Grogne. Allez, on va envoyer
du gros truc en espérant que ça lui fait mal. On perd un tour. Mais... Riposte. Ah mais l'enfoiré, il a riposte. Waouh. Mais c'est abusé. Oh. Comment je fais? Comment je fais? Je fais comment là? Le mec il est... Laser glace. Wow. Ok. Bah écoutez, j'avais fait une petite sauvegarde, donc je vais reset. Je vais reset. Je suis sur émulateur, donc je profite d'être sur émulateur. J'ai pas refaire 5 tournois pour le recombattre. Donc on va reset. Non, en fait, je voulais pas reset. Non, je voulais load. Je fais une connerie en fait. Là, voilà. Voilà, donc on va combattre. J'avais fait une sauvegarde juste juste à ce moment là en fait, juste avant de record. J'avais fait une petite sauvegarde au cas où et hop, record. Du coup, ouais. Brasgali. Non, est-ce qu'il va renvoyer la grogne? Je pense qu'il va envoyer effectivement la grogne. Brasgali, non. On va envoyer Dratak et on va envoyer. Brasgali. Ah oui, je l'ai fait. Voilà. Entrez, je vous prie. Oh oui, bon, ça on a déjà vu, donc on va pas relire forcément. Voilà, le monsieur il est tout content. Ah, mais il va être horrible quand même lui. On retente. Oulala. Ah, attention, ça va être chaud. Oh. Dratak. Je suis dans la merde. Une attaque vol, je suis mort. Ou séisme, mais voilà, je suis dans la merde. Super. Ok, du coup, ben je vais changer d'équipe. Donc, ça fait pour moi 2 jours que j'ai fait cette ellipse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous avez bien vu, j'ai galéré avec mon équipe actuelle, donc c'est-à-dire Dratak, Metalos et comment il s'appelle, Brasgali, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de Pokémon. Donc j'ai une autre équipe. Enfin une autre équipe. En fait j'ai juste entraîné de mon côté Elexprint. Et comment il s'appelle l'autre, Sharpedo. Mais j'ai pris Elexprint. J'ai pas pris Sharpedo, j'ai pris que Elexprint. Parce que Dratak est un type sol. Type sol. Oui bien sûr. C'est un type vol. Et Dragonflu est un type vol. Donc contre eux ça serait assez pratique, même si Sharpedo serait peut-être été bien, mais bon j'ai commencé à faire le 5e championnat, donc voilà, j'espère que ça ira quand même. Oui, en parlant de ça, le 5e championnat, oui, parce qu'en fait entre chaque tournoi, enfin tournoi plutôt, entre chaque tournoi je faisais une sauvegarde, et donc j'ai chargé la sauvegarde à la fin du 4e tournoi, donc juste avant le 5e. Comme ça, du coup, j'ai pu entraîner mes Pokémon de mon côté. Et comme ça, ensuite, refaire le 5e tournoi. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé jusque-là, donc jusqu'en finale. Ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il reste lui, Takim. Autant dire que ça va être un petit peu chaud
sachant que donc pas besoin de voir qu'est-ce qu'il a, hein, on sait tous qu'il a ça, voilà. Mais ça va être plus chaud, c'est-à-dire que j'ai ça. Dratak, Brazagali et Elexwin. Je vais prendre Dratak en premier. Donc autant dire que ça va être chaud. Retourner à la salle d'attente. Attendez. Autant dire ça va être chaud. Donc je vais faire une petite sauvegarde parce que là bon je vais pas perdre mon temps quand même. Hein. Je vais faire une sauvegarde et si ça marche pas, ben je vais refaire la save à chaque fois. Si je perds, eh bien je vais relancer cette sauvegarde là, donc à partir de là, parce que j'ai pas envie de me retaper tout le truc. Alors, combattre, c'est parti. Alors on va prendre Dratak en premier. Ouais, parce que l'exprint va rien faire sur la grogne. Et l'exprint, on va le prendre en deuxième. Parce que pour la suite, ça ira. Alors faut espérer que j'arrive à tuer la grogne avec Dratak. On a déjà vu ça. Je peux pas accélérer. Ah si, mais ça a bugué. Allez. Ah, c'est long. Alors. Oh, il a plus la grogne. Oh. Ah, mais alors attendez. S'il a plus la grogne. Mais s'il a plus la grogne, c'est bien ça. Mais s'il a plus la grogne, je peux faire Draco Griffe. Ça va le tuer. Ah, ça va le tuer. Oui, alors, combat de Draco Griffe. Bonjour. Dracac. Ne me tue pas, voilà, merci. Donc là, on le tue. Alors, qui va envoyer en deuxième, du coup, Dracofeu ou de la grogne? Il a envoyé toujours de la grogne en premier. Oh, j'ai eu de la chance, là. J'ai bien fait de recommencer le tournoi 5. Comme ça, il a changé son équipe. Ou alors, c'est complètement aléatoire, je ne sais pas. Du coup, on va faire Draco Griffe. Allez, tue-le. Ah. Forcément, là, nous sommes dead. Alors, attendez, parce que là, ça, rien n'est encore joué. Fatal Foudre. Pitié. C'est bon, on l'a battu. Ouais, vous avez battu la star du Dom Takim. Grimmé. Incroyable, c'est du jamais vu. La victoire revient à Fulito. Puisque c'est le règlement, montre ton passe zone. Le symbole tactique a été ajouté sur le passe zone. Ouais, j'aurais dû te prendre au sérieux. Je me rattraperai la prochaine fois. Ouais, non. Hein, c'est bon. Toi, tu me saoules. T'as une équipe chiante. Votre excellente tactique va être récompensée point de combat. Ah, du coup, j'ai toujours pas acheté de récompense. Bon, on fera ça tout à la fin, en fait. Quand on aura masse de points. Non. Oh, sans plus, j'ai enregistré. Bon, bah écoutez. Bah du coup, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. C'était une victoire assez inattendue. J'ai bien fait d'entraîner l'exprint et tout, et au final elle m'a été utile. Donc du coup j'ai bien fait de l'entraîner. Alors excusez-moi parce qu'il y a mon chat qui tape à la porte, alors du coup j'ai dû lui ouvrir. J'ai bien fait de m'arrêter et de l'entraîner parce que du coup je sais pas, ça a reset son équipe ou alors c'était aléatoire. Je sais pas si j'aurais relancé la sauvegarde que j'avais faite manuellement là
juste avant le combat. Est-ce que ça aurait changé son équipe? Je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas c'est... Du coup c'est cool. On a... on en a 3. Non, Pokénav, n'importe quoi. Fulito. Voilà. Du coup on a 3 symboles, il ne reste plus que 4. Donc eh bien on fera le quatrième, la quatrième épreuve dans une troisième vidéo. Une troisième vidéo bonus qui sortira eh bien peut-être le mois prochain. Je ne sais pas. En tout cas j'espère que l'épisode vous aura. Enfin que l'épisode. Que cette vidéo bonus vous aura plu. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à laisser plein de petits pouces bleus, n'hésitez pas à laisser plein de petits commentaires. Et donc nous on se retrouve eh bien une prochaine fois pour la vidéo bonus numéro 3 sur une autre épreuve de la zone de combat. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.